Allez, salut à tous, c'est Mofi1130 et bienvenue pour ce 13e épisode de The Underscroll 5 Skyrim. Ce playthrough même, je dirais même. Qu'est-ce que je raconte? C'est un playthrough. C'est toute une histoire, carrément, qu'on va vivre. Maintenant, on va aller chercher aujourd'hui la co... Ce que j'entends. C'est pas des nitros. Ah si. Va la prendre. Ting! Nitro, ajouté. On va aller voir justement... Pour la co... D'abord, on va aller à l'auberge. Prendre une petite quête, même si on va pas la faire tout de suite. Dans les auberges, il y a toujours une quête, forcément. Ça, c'est l'idiot. On va peut-être ranger son épée. On n'est pas des méchants. Salut! Ce n'est pas le grand luxe, mais si vous cherchez un endroit au sec pour passer la nuit, je vous loue une chambre. En fait, j'ai vu une maison qui avait l'air d'avoir brûlé. C'est quoi cette histoire? La maison de Rogard? Ouais. Elle a brûlé il y a quelque temps. Ah, ok. Toute sa famille a disparu. Ah, c'est triste. Leurs cris ont réveillé la moitié de la ville. La plupart des gens ne s'en approchent plus, de peur qu'elle soit maudite. Elle a brûlé, quoi. Comment le fait s'est déclaré? Rogard prétend que sa cheminée a pris feu. Ah ouais. Mais les gens disent qu'il l'a déclenché lui-même. Ils le prennent pour F ou quoi? Avec sa femme et son enfant, est d'erreur. C'est ce qu'on dit. Vous savez, bah, tu le vois bien s'ils sont vivants ou pas. Maintenant, et ce depuis le lendemain de l'incendie. Emménager avec sa maîtresse au lendemain du décès de sa famille, ça ne se fait pas. Oh, vraiment pas, c'est une honte. Et bien évidemment, ils ne peuvent pas prouver qu'il les a assassinés. Voilà. Notre Yard aimerait bien savoir s'il est responsable et serait même prêt à payer. L'argent? Oula. Tout de suite, t'as bien fait au fait de mettre la quête directe. Adrez-vous, Yarl. Ah, oh, bah j'irai voir plus tard. Les esphères ne sont pas trop calmes, mortels? Ralenti? Non, elle est juste inexistante. Ok, c'est encore plus triste. Il y a assez peu de raisons de s'arrêter à Mortal avant la guerre. Eh bien, disons que la grande porte n'est pas très usitée. Puis-je apprendre davantage? Enfin, moi, j'ai eu autant lui demander. Vous cherchez Falion? Allez plutôt embêter les mages là-bas, dans leur académie de Fort d'Hiver, et laissez mon frère tranquille. Ton frère? Visitez l'académie de Fort d'Hiver. Plus tard. Qu'est-ce qu'il y a cette torque? L'Urbuc? Hein? Il se prend pour un barde. Connais pas. Paix, je l'autorise à rester. Donc si j'avais des clients, j'aurais peur qu'il les fasse fuir. Je vois même mais pas de là... qui elle parle. Enfin, je sais même pas de qui je parle moi-même. Bah, c'est tout. Bon, très bien. Oh, de l'or! Tu peux pas aller ailleurs, s'il te plaît. Je voudrais prendre ton or. De l'or. De l'or. De l'or. Détecté. Ouais, elle me voit quand même pas. Ah, mais toi, tu me regardes en fait. Pensez même pas. Quelle horreur. Ne redoutez pas les ténèbres, il n'y a rien à craindre. Les ténèbres! Monsieur l'Urbuc va vous remonter le moral. Il suffit de l'écouter. Vous faites quoi ici? Je suis barde, formé à l'académie des bardes de solitude. T'es pas. C'est l'endroit rêvé pour les chats errants dans votre genre. Je suis pas errant. Respectez l'académie des bardes. À la prochaine fois. Ouais, ouais, tu peux pas partir, j'ai envie de prendre un peu d'argent. Jonah. Vous croyez que les villageois commencent à apprécier mes sérénades? Tu chantes? Non, pas le grand luxe. Mais si vous cherchez un endroit au sec, si vous n'aviez pas payé votre chambre, je vous louine. Je vous aurais fait des guerres pires depuis longtemps. Oui, mais ils finiront par aimer. Vous verrez. Ah, je ne serais pas surprise qu'ils viennent ici et qu'on ne vous revoie plus jamais. J'ai fini. Mais il faut encore que les bonnes gens de Mortal reconnaissent mon talent. D'accord. Si tu le dis. Il n'y a rien d'intéressant. Non, non, non plus, bah, on va quitter ce lieu, ça sert à rien du tout, on sort. Bon, il faut vraiment que je vais chercher la corne, parce que, et après la corne, là on ira continuer des quêtes. Qu'est-ce que j'ai fait? Hé! J'ai rien fait! C'est moi qui t'attaque! Ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me... Vous voyez pourquoi je m'énerve maintenant sur tout le monde? On m'attaque et je sais même pas pourquoi. Mais laisse-moi. Non. Ah, j'ai bien fait. J'ai failli toucher l'idiot. Idiot, relève-toi. Idiot, relève-toi. Faut que je tue lui en premier. Idiot, relève-toi. Non mais... Fais gaffe. Je vais te toucher sinon. Aïe. J'ai pas compris là pourquoi je me suis fait attaquer. En plus, il n'y a même pas quelqu'un pour une défense. On va prendre son épée direct. Hop, on se garde. On va voir s'il sera encore là. J'ai pas compris là. En fait, ils veulent que même mettre de l'action. Je les ai pas payés pour qu'ils viennent. Hein. J'ai pas fait. Bon, pour l'épisode, tu pourrais venir. Sinon, j'aurais dit que je les tue. Mais là, même pas. Chaque fois que vous montez de niveau, vous pouvez choisir un atout.
Ok. Nous sommes là pour vous donner une bonne leçon. Qu'est-ce qu'ils sont? Hey, Paris Smir, vous sortirez d'ici les pieds devant. Mais je te connais même pas. Toi, t'es mort. Et les autres? Ils sont là. Je m'occupe de celui-là. T'occupes de l'autre, Lydia. Il y en a rien à foutre. Wow, 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 potion, potion. En plus que j'en ai volé, ça tombe bien. Sois léger, sois léger, sois léger. Pas trop non plus. Jamais. Jamais je me rendrai. T'es mort. T'es mort. C'était qui ce type? Attendez. Ils ont pas des trucs intéressants, non? Genre bière d'acier. Je peux le mettre ça ou... ou c'est moins bien? Non, tenue. Gantelet, bottes. Des bottes, j'ai les bottes. Jambière. 14, 11. C'est mieux ça. Armure d'acier, armure de fer, ça c'est moins bien, non? C'était qui ce type? En plus, il y a personne qui a voulu me défendre. Attendez, ils ont rien d'autre de bien? Non? Il y en avait encore un dernier. Il est où son corps? Bah merde alors. Attendez, j'ai tué lui, j'ai tué lui. Il est quelque part là-bas. On l'a foutu où, Lydia, quand on l'a tué? Lydia! Où est-ce que t'as mis son corps? Que s'est-il passé? Et ils m'ont attaqué! Un garde pourrait devenir nerveux en voyant un homme approcher l'arme de sort. Mais c'est leur faute à eux! Cette maison qui a brûlé, c'est quoi l'histoire? Parler de cet endroit apporte malheur. M'en fous. Mais le Jarl cherche justement quelqu'un de pas trop superstitieux. Quelqu'un de stupide, si vous voulez mon avis. Pourquoi il fait marquer un idiot après quelqu'un de stupide? Ah bah je vois pas le troisième. Attendez, je vais regarder. Que s'est-il passé? Ah il est là! Contrat! Ah, ils avaient sûrement alors un contrat sur moi. Oh, les gantelets, ça plus intéressant. Gantelets de fer, ils font 11. Gantelets impérieux d'acier, ils font 14. Oh ouais, c'est beaucoup mieux. Attendez, maintenant on va le lire. Je perds du temps, mais c'était pas prévu qu'il m'attaque. C'était qui ce type? Livre. Contrat. Voici la somme convenue. J'espère que vous donnerez une bonne leçon à cette racaille de mafia 1130. Je n'attends que sa mort, mais je m'en porterai pas plus mal que si vous lui ôtez la vie. Willem. C'était qui ce type? Ils étaient 3 pour 2 personnes. Vraiment bizarre. Attendez, je vais me débarrasser des corps parce que j'ai pris un truc qu'il fallait pas. Parce que ça va gêner un mortal, ça je le sais. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. On va transporter son corps dans l'eau. Parce que je veux pas gêner les citoyens. J'ai déjà gêné les gars. Voilà. On va mettre un corps là. Et on va mettre l'autre là-bas. Voilà, on avance. Idiot. Un peu de respect quand même. Même s'ils ont voulu nous tuer. Voilà. Oh, on les voit, mais c'est pas grave. C'était quoi ce truc? Oh là là. Bon, maintenant. Bah, sauvegarde rapide. Petit lag. J'espère que vous m'entendez bien. Désolé pour ce petit bug. Il y a un léger freeze. Ça arrive pas tellement, mais quand ça arrive, ça c'est chiant. Bon. On reviendra plus tard dans cette ville, de toute façon. J'ai besoin de discuter avec des gens. Pour des quêtes secondaires, justement. Mais ça, ce sera plus tard. Parce que si ils m'attaquent encore en quête secondaire, la trame principale, ça va être encore dans 3 ans. Et déjà que j'ai perdu assez de temps ici. C'est parti. Par ici. Oh, un papillon. J'attrape le papillon. Attrapez le papillon. Mafia Michance 30 fait la course, la chasse au papillon. Essoufflez. Non, on avance. Avance, je sais que tu peux le faire. J'ai pas trop quoi vous dire pendant que je fais ça.
C'est pour ça que vous m'entendez pas tellement. Je vous laisse savourer la musique pour le moment. Pourrait avoir une musique plus épique quand même. C'est trop calme. Les gens ils vont s'endormir avec ça. Bon, si vous êtes le soir, vous pouvez bon, vous endormir en me regardant, mais si vous regardez la journée, je pense que vous allez plutôt partir et puis c'est tout. On continue. On est encore loin. On verra bien. Aïe. Donc encore un coup de. Il me dit que c'est par là. Ah, je pense que ça doit être là-dedans. Justin Graf, nouvelle découverte. C'est bien ça. On y va. Là, il est mort. Qui, quoi, comment, pourquoi? Encore? Fousro! Voilà, ça c'est fait. Encore? Vous avez encore un... C'est encore des gens qui ont un contrat sur moi ou... Attendez, ils ont tué. Vous l'avez tué lui? Non, non. Dans le coffre. Après, je vais voir s'ils ont pas eu. Si c'est encore un contrat, je me montre quoi. Parce que ça fait déjà le deuxième dans cet épisode. La pierre, crochet. Tomate. Ça peut toujours être ça de prix. Les... Je suis derrière vous. Non, pas ça. Idéal, laisse-moi. T'as de centre. Or. Ou c'est juste des gens qui voulaient m'attaquer? Nécromancienne. Poussière. Robe de nécromancienne. Moi, c'était juste des gens qui voulaient m'emmerder en m'attaquant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'en ai aucune idée. Bon, rentrons. Ah, c'est un grave. Ah là là, ces gens. Ils savent plus quoi inventer. C'est bon? On est bon. Il y a déjà quelqu'un de mort. J'espère qu'ils m'ont pas repéré. J'espère qu'ils m'ont pas repéré. Une pelle. Ça peut toujours être utile, une pelle. Attendez, ils attaquent quoi là? Soit ils s'entraînent ou... Ouais, écoutez ce qu'ils disent. Il y a... J'espère que t'es furtif. Furtif. Vos esclaves sont encore plus lents que des argoniens dans un blizzard. Oh, touché! 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 Raté! C'est pour Lydia! Bien joué Lydia! Ça c'est la classe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là, mais ils sont morts. J'ai jamais sur toi, griffé au bois, ça, plume d'arfreuse. Ça aussi, ça pourrait être des choses désenchantées, une flèche, un coffre. Oh, ce qu'il y a à l'intérieur, un métis, un jamais spirituel, familier, familier. Une gourde. Attendez. L'aide de Vando. Ah, c'est un livre. Autant le dire. On est parti. On lit un peu. On avance, on avance. Ah non, c'est le cinquième, ça. Ah, une potion de soin. Ça, je prends. Du pain aussi. Ça aussi, c'est bien le pain. Un œuf d'araignée. Des flèches. Bâton familier. Familier, toujours. Crochet. Du poulet grillé. Ça peut être toujours bon à manger. En même temps, ça fait longtemps que j'ai mangé. Ah non, j'ai mangé il n'y a pas longtemps avec des carottes et tout. Au hasard, j'ai de la pierre, du vin. J'ai tout fait. Alors, par où je dois aller? Par là. On avance, on avance. Je crois bien finir cette quête aujourd'hui dans cet épisode. Ouh. Ouh, ouh, ouh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Lydia, Lydia, tu me fais peur. Hey, quelqu'un qui attaque. Quoi, mais je suis le seul héros? Comment y a quelqu'un qui peut attaquer quelqu'un d'autre? Ah non, il savait que j'étais là au fait. Mais il le disait pas. Encore. Ah, froid, 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 froid. Ah, c'est froid, c'est froid, c'est froid. T'es mort. Et t'es mort, je t'ai dit, je te brise tes jambes. Et boum.
kill move. Finish. Ça, c'est fait. Ils sont morts. Et bien morts. Enfin, même s'ils l'étaient déjà. Mais ça, ça va être entre peu et peu d'importance. Potion de magie. Toi, t'as rien d'intéressant. Si, de l'or. Et c'est tout. Hydromel. Hydromel rose noire. Potion. Potion de santé. Ça, il faut que je les prenne, les potions de santé. J'en ai tellement peu pour l'instant. C'est rien de spécial. Il y a encore des ennemis ou pas? Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Ah, j'ai cru que j'allais marcher sur un piège. Oui, maintenant qu'on est en gros temps, on va faire attention de ne pas marcher dans des pièges. Pourquoi tant d'empressement? Parce que je me suis trompé de côté et que l'autre côté, il doit avoir quelque chose d'intéressant d'objet. Comme de fait, il y a des urnes. Dans les urnes, il y a de l'or. Sauf dans les villes, forcément. Vide, vide, vide. Ça là, non. On prend tout. Ça y a rien. Vide. Et un coffre. J'avais dit qu'il y avait des choses intéressantes ici. Là-dedans. Vide, vide, vide et vide. Ah. Faut se laisser alléger. Maintenant on peut avancer, Lydia. Ah, si je me trompe de côté. Ah non, c'est parce que il y avait des angles que j'ai pas encore fouillé. On prend tout, on prend tout. C'est peut-être un presque rien comme argent, mais ça peut être utile. Utile. Vite, vite, vite. Hop. Allez, sinon. Bon, on va arrêter parce que c'est que des petites pièces de rien du tout. On n'a pas de temps à perdre. Avançons. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Des squelettes de partout. Comme j'ai dit, on va faire attention au sol. S'il n'y a pas de piège. On va aller par ici. Là, il n'y a rien. Ouh, si, il y a de l'or. On prend de l'or, on prend l'or, on prend l'or. Ah, j'ai pris sans le faire exprès des trucs pas intéressants. Lydia, je suis derrière vous. Je sais que t'es derrière moi. Enfin, maintenant je suis devant. Non, pas ça que je voulais. Non, moi je dois te donner des trucs. Ouais, ouais. Non. Ah, oui, je pense que j'ai les trucs de dragon. Faudra que je te les donne. Il doit faire quelque part. C'est lourd quand même ces trucs. Ah, est-ce que je peux lui donner un volet au fait? C'est peut-être ça que ça m'a pas compté, parce qu'elle a été volée. Bah, je vais te donner ça. Je peux toujours pas. Non, pour deux en plus. Attendez. Autre dragon. C'est bon. Je peux pas te donner autre chose. De lourd. Attendez. Écaille de dragon. Ah non, je peux pas te le donner. C'est trop lourd pour tout. Alors, on fera la technique plus tard. Pour l'instant, je suis pas lourd, alors c'est bon. Il y a la hache aussi que je devrais jeter. Ça, je vais faire ça tout de suite. Arme. J'ai pris une hache qui me sert à rien. Ou elle est peut-être... Ou elle est à peine plus puissante. J'aime mon épée. Voilà. Ah oui, vous avez pu voir, j'ai acheté une pioche aussi quand j'avais fait mes emplettes lors du dernier épisode. Comme ça, vous serez miné s'il y a des trucs intéressants. Enfin, je viens de là. Faut pas que je me trompe de chemin. Je vous parle et je me trompe de chemin. Pas grave. La suite. Voilà, on sait pas être discret avec des gens ici. De toute façon, eux, ils sauront pas qui je suis. Parce qu'ils sont déjà morts. Ah, c'est froid! C'est froid, je te dis! C'est froid, c'est froid, c'est froid! Ah, Lydia, Lydia, Lydia. Occupe-toi de lui. Merci. Parce que c'était quand même froid. De l'or. Lui, il bouge toujours le bras, il fait « je suis là ». Oh, tu me fais un coucou. Coucou. Tu dis au revoir aux gens? Ah, maintenant, il bouge plus comme par hasard. Il veut pas vous dire au revoir. Mal poli. J'ai bien fait de le tuer. Qu'est-ce que je voulais regarder? Il y a un truc que je voulais regarder. Bon, j'ai oublié. Enfin, soit. On avance, on avance. Et là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ah, ici il y a une potion et un coffre. Or, tac tac. Ah, il y a un truc que je voulais vous dire, mais j'ai oublié ce que c'était. Ah, ça c'est un souci. Non, j'ai vraiment pu. On va prendre la bourse, il m'a fait peur. Trifon Sgarf. Allez, il reste à peu près 5-7 minutes.
entre 5 et 7 minutes pour terminer ce donjon. On va dire ça. J'espère qu'il y aura un moyen. On va voir, on avance, on avance. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis, c'est trop calme. On va sortir l'arc. On sait jamais. Parce que je vois que c'est trop calme ici. Il n'y a pas un ennemi qui veut m'attaquer dans fourbe. Il dit, sois furtive. J'entendais pas d'ici. Mais c'est pas mes pas. C'est les pas de qui alors? Waouh, ça brûle. Je te parlais. Oh, toi aussi tu t'es fait avoir. Pourtant je me suis fait avoir avant. Lui il est mort et complètement mort. Et déjà mort. Ouh, je me suis fait repérer. Ouais, je me suis fait repérer. Arrêtez. Bon bah on s'est fait repérer, ça sert plus à rien de s'accroupir. Lydia, ton arc ça sert plus à rien non plus. T'attaques. Voilà. Tu prends son or, tu prends l'anneau et t'avances et puis c'est tout. Il n'y a plus personne. Plus, c'était bidon. Moi c'était tellement bidon. L'or. Ah, pourquoi je fais à chaque fois table. Ah, il y en a un autre. Il y en a un autre, je sais pas où ce qu'il est, mais il y en a un autre. Il est là à gauche. Non, il est là tout droit. Il est là quelque part, quoi. Il est là. Lydia, m'attaque-le. Lydia. Et Lydia. Ah, je me suis occupé de lui tout seul. Je sais pas ce qu'elle a foutu, Lydia, mais. Elle était là, elle était. T'es pas un squelette, hein, tu peux aussi bouger, toi. Hein. Y a pas de piège, non. Potion. Ici, dans les tiroirs, il n'y a rien. Ici, il y a un coffre. Ce qui est intéressant, on prend tout. Là, on reverse une opa. Ça veut dire que je peux avancer. Il est soufflé, le gars. Essoufflé, vous l'entendez? Il n'en peut déjà plus. Il a fait 2 mètres, il peut déjà plus courir. Sauvegarde rapide. Fait longtemps que je l'ai fait. Et si je meurs, ce serait... Ce serait terrible, surtout si je me retape le même chemin que je viens de faire. Attendez, c'est le même chemin que je refais là. Je suis perdu. Ou pas. Non, c'est bon, c'est bon. Je pensais que j'étais perdu, mais non. Attendez, il n'y a rien ici. Si, il y a quelque chose. Toi, t'es mort. Reste dans ton cercueil et toi. T'auras pas le temps de m'attaquer. Parce que tu es déjà mort. Et remort en plus. Et il y a qu'il brûle juste pour le lulz. Oh, j'ai oublié l'or. Pas oublier ça. Hein. J'aime bien l'argent. Lui, je sais pas ce qu'il fait. Lui, il me dit. Ah! Lui, il me dit au revoir avec Sage. Au revoir. Adieu. On continue. Bon. Je sais qu'il y avait une. J'ai eu peur d'un rocher. C'est grave ça. Poisson peur les diluer, ça sert à rien. Moi, je viens de là. Ok, alors je dois aller par là. Enfin, peut-être ou peut-être pas. Non, c'est. En fait, je m'embrouille là. Je sais pas où ce que je vais. Je n'ai jamais rien vu. Ouais, mais t'as pas vu ce qu'il y a. Il y a un squelette aussi. Lui, il nous a pas vu. Oh, il a bugué. Il a bugué le squelette. Voilà, il s'est mangé. Il est même pas mort. On va attendre qu'il vienne. Il sera tout droit. Ah non, il va attendre. Il est mort. Où est-ce qu'il y en a encore? Ici, il y en a un. T'es mort. Là-bas, là-bas aussi. On va se le faire, on va se le faire. À l'arc, on va se le faire. Et ici, et il a pas su, je l'ai touché. Enfin, c'était soit moi ou Lydia. Toi, t'es mort. Enfin, presque. Il y en a un autre. Ouais, je me disais bien avec lui. Il était là, il était posé, tranquille. Level up, level up. Ouais, 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 bah, va le tuer tranquille. Tranquille, les gars. Tu t'es fait le squelette tranquille. Ok, Lydia. Ça, c'est Lydia, c'est sa vie. Y'a pas moyen de monter sans se faire mal avec les flammes. Si, on passe en droit devant. Si, si, tranquille. Hop, grenade, grenade parfait. Gemme spirituelle. Oh, il était caché lui. Mais il est mort.
Attendez, on va mettre son niveau. On va la mettre en quoi? Santé. Parce que je perds vite ma santé. Là-bas, il y a des trucs. Ce sera intéressant d'aller. Il n'y a pas un levier pour baisser le pont. Enfin, si ça sert. On dirait que ça servira pas. L'autre côté, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a pas de sortie. Non, je viens de là. Attendez, je me pose pendant 2 secondes pour réfléchir à où ce que ça pourrait être pour passer là. Attendez, je vous reprends ici. J'ai fait une petite ellipse parce que j'ai rien trouvé pour savoir aller là-bas. Mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose en descendant. Enfin, j'ai vu qu'on savait descendre. On va voir ce qui se passe en bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il n'y a rien d'intéressant. Non. Il y a... C'est quoi ce bruit? Oh yeah! Yeah! Un cri! Dans votre pouvoir! Pouvoir! Yeah! Ça, c'est bon. Ce qui est définitif, que c'était pas ici que je devais être, que je devais aller. C'était bien à la poignée. Moi, c'est pas grave, on a un cri au moins. Ah là là. On a eu un cri quand même. Bon bah, on va retourner en arrière alors. Ah, il y a un coffre. Et c'est sur ce coffre qu'on va s'arrêter là. Parce que on est arrivé à la fin de l'épisode. On se reprendra au prochain épisode pour revenir en arrière. J'irai sûrement jusqu'à la poignée pour justement pas perdre de temps. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve Lydia et moi et vous tous dans le prochain épisode de ce playthrough pour, comme je dis d'habitude, encore plus d'aventures. Salut à tous et portez-vous bien.